Nous autant là dans verset 6e. Nous lisons le verset 6. Et puis nous allons dans le verset 14 à 15. Et puis nous allons répondre le verset 14 et 15. Et puis 20 à 21. Et puis le verset 20 à 21. Mais là pour le bien sûr, nicolaïsme. Aujourd'hui nous allons parler sur la doctrine des nicolaïtes. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Verset 6e. Il y a pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que j'ai aussi. Laquelle verset 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as des gens attachés à la doctrine de Balaam. Vous n'allez pas une ayomateur à Kandamanalité à Balaam. Qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Oui, à Zalaka côté à Balaka Tsenbangali Bakuli Bosse à Banessa. Pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles. Oui, des babobania, Missouye Babote Manzambé. Et qui se déplace en impédition. Mais même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine de Nicolas. Verset 20-21. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses ta femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent de bien sacrifiés aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répandie. Et elle ne veut pas se répandre de son impudicité. Que Dieu bénisse l'étude. Par la grâce de Dieu, pour le dire, les l'autre aux amis, pour le mélanger sur le nicolaïsme. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous parlons sur la doctrine des Nicolaïtes. Il faut y voir que Zambé, Oyoyo, a commis lettre par Jean. Et tu dois savoir que le Seigneur qui avait écrit cette lettre par Jean, a salaka des choses utiles. A salaka matamunatina. Il n'y a rien que le Seigneur avait et qui soit inutile. Même il a quoi monqué au même une petite chose que tu peux voir qui pourrait être la créature de Dieu. Le Seigneur connaît le pourquoi de cette création. Parce que Proverbe 16, verset 4, il y a une discussion. Parce que Proverbe 16, le verset 4 nous dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Ça fait à ça ma émotion pour la tina. Même les méchants pour les jours du malheur. Le lingemoko tant aux autant dans les écritures saintes. De la même manière en lisant les saintes écritures, où ils ont mis la lettre de l'époux écrite à l'épouse. Et qui est la lettre de l'époux à l'épouse. Donc Jésus-Christ a commis puissant moi Sinaï. Et Jésus-Christ nous l'a écrit à nous, sa femme. Il sera dans la joie lorsqu'il écoutera que vous lisez cette lettre dans son entier. Et que vous la considérez telle qu'elle est. Il faut vie. Il faut que dans ta vie, bien-aimée, vous allez d'abord s'appliquer la parole comme la lecture. Et tu t'appliques à la lecture de la parole. À la maison. Partout tu pourrais te retrouver. À la maison, le Seigneur nous a recommandé. Le Seigneur le dit dans Deutéronome 6. Mais lorsque tu seras à la maison, lis la parole. Alors, même par un pouce. Il faut faire de la sorte que les enfants connaissent la loi de Dieu. Il faut se mettre dans les portes. Il faut
voyage. Et tu me parles même pendant le voyage. Ce sont quelque chose que tu lis dans ta main et que tu le mets sur le fronton entre tes yeux. Le front nous montre. Il faut que tes pensées soient toujours sanctifiées. La main est à ton service. Le bon pétard est à mon salaire. Aujourd'hui, ton service. Le bon salaire. Nous sommes pour ça en parole et en acte. Tout ce que tu fais en parole ou en acte. Et ça va pour le nom du Seigneur Jésus. Soit pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. Israël avait un exemple pour la loi dans le bon Konayatia. Israël écrivait la loi dans sa main. La main, ça va pour le travail. La main, c'est pour le service de travail. Et tu écriras aussi cette loi sur tes portes. Physiquement, ta maison n'est pas un lieu de choses vertes. Lorsque quelqu'un arrive dans ta maison, il va savoir ton identité. Enseignement. L'identité de l'enseignement. Tombera la parole ma casse dans ta maison. Élève la parole dans ta maison. Et ça nous conduit à la paix. Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour la vie. Donc, les mots d'abord Nicolaïte. Comme on a nous dit à Bali Nicolas. Et elle s'est à conquérant pour dominer. Mon Dieu a dit qu'on compte à la tour. Donc, pour dominer. Pour compte à la tour. Le Seigneur, un jour dans Matthieu chapitre 21. Un jour dans Matthieu chapitre 20. A annoncé le programme Naïe et Père Bali. Il annonce son programme à ses disciples. Dans Matthieu chapitre 20. Je prends Matthieu chapitre 20. À partir même du verset 23. À partir du verset 23. Mais le verset 25. Le verset que nous avons besoin, c'est le verset 25. Alors, il leur dit. Il est vrai que vous boirez ma coupe. C'est pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche. Cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. L'Église ayant entendu cela, la commune verset 24 fils indigné contre les deux frères. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Parce que vous allez la commenter quand il est la pino. Mais quiconque veut être grand parmi vous, parce que vous allez vous allez continuer au colo qui est votre serviteur. Ça la démoussage la pino. Et quiconque veut être les premiers parmi vous, vous allez 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 vous. Le Seigneur a dit qu'il a légué ma puissante nation, ma dirige à ma nation. Le Seigneur avait montré comment les puissantes nations dirigent leur nation. À ce moment-là, l'Égypte, le Nazareth, pour dominer. Il voit l'Égypte, comment est-ce qu'il dominait. À ce moment-là, la Syrie. Il voit la Syrie. À ce moment-là, Médo-Perse. Il voit l'Empire Médo-Perse. À ce moment-là, Babylone. Il voit l'Empire Babylonien. À ce moment-là, Rome. Il voit l'Empire Romain. Il dit effectivement, ce sont des tyrans. Les amis, Pétain, ma tour, ma compte, ma tasse, ma tasse, ma botte. Non, pas de même, pour compte, ma botte. Donc, ils tyrannisaient leur peuple. Ma tasse. Ils imposaient des choses. Et l'homme, celui-même, est sans négoire. Même si la chose n'est pas conforme, Bazak obligeait le peuple pour aller dans le lingue. Ils obligeaient toujours le peuple à suivre ce que Dieu a dit. Maintenant, le Seigneur a dit ceci. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Le Seigneur a voulu la domination et l'homme, du couleur à l'homme. Le Seigneur a refusé d'interdire la domination de l'homme sur l'homme. Le Seigneur l'avait interdit.
Nous allons le Seigneur avait choisi le lieu où devait se passer l'adoration. Il avait dit que l'adoration sera à Jérusalem. Tant que nous dans le texte, il y a Deutéronome 12. Lorsque nous lisons les textes de Deutéronome 12, alors d'abord qu'à choisir les lieux si où est ce qu'il va pouvoir tomber. Le Seigneur avait dit qu'il choisira le lieu de l'adoration du peuple. Je lis à partir du verset 4 et 6. Le verset 4 jusqu'à 6. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu. Donc faire des choses qui vous plaisent. Le Seigneur n'aime pas ça. Voilà ce qu'on dit à partir du verset 1er et 3e. Là, en lisant en partie du verset 1er jusqu'au verset 2. Deutéronome 12. Deutéronome 12. Maintenant, on a combien de verset 5 hein? Le verset 5. Mais vous les chercherez à sa demeure. Et vous irez au lieu que l'Éternel, votre Dieu, choisira parmi toutes vos tribus. Pour y placer son nom. Donc le Seigneur a émis ce qui va. Donc le Seigneur leur avait dit ce qui vous dit terre promise. Si vous entrez dans la terre promise, il n'y aura pas de gens où personne ne fera les choses à sa manière. Vous ferez tel que je l'ai dit. C'est ce que dit l'Éternel. Et puis à l'objet, même pour l'adoration, à temps qu'on a commandé là, et ça n'a ici qu'à l'Ongaï, n'a pas dit comment on a ici qu'à pouvoir adorer. Il y aura le lieu où je placerai mon nom et ce sera le lieu d'adoration. Mais seulement qui t'a encore, mais il s'était passé en un moment. Salomon a désobéi à la parole. Salomon avait désobéi à la parole de Dieu. Là, on a 1 roi 11. Là, tu pourrais le lire en 1 roi chapitre 11. Le Seigneur a l'acquis. Le Seigneur a promis. Qu'il y a beaucoup de la royaume. Qu'il va arracher le royaume entre Salomon. Beaucoup, il y a Salomon. Entre le même et Salomon. Mais alors, bien que Salomon était tant qu'il y a sa vie. Mais il a dit qu'il ne le fera pas de son vivant. Mais à beaucoup de la monde, il y a beaucoup de moi. Mais il l'arrachera de main de son fils. Mais alors dit qu'il y a beaucoup de l'agneau sauté. Mais il n'a pas dit qu'il va ravir tout le royaume. Oui, il fatigue toujours une lampe. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est la moindre manque. Parce que Jacob déjà n'a pas la nobaki. Parce que Jacob déjà dans le passé, il a fait. C'est les Judas que les Chinois voyaient. Et ça dit n'a pas de lieu d'aller au même qu'il y a. Donc il faut y aller, si Jacob nous a battu au royaume. Il faut que les Chinois viennent là où le Seigneur a placé. Parce qu'il vient pour Samora aussi au royaume de David. Il vient aussi hériter le royaume de David. Selon Luc chapitre 1er, verset 32. Selon Luc chapitre 1er, verset 32. Et ce que Dieu dit, oui, on savait à l'autre. Il y a quoi comme ça manque. Et cela s'accomplit toujours. Malobanaï et Selina Malobayabato. Ses paroles sont différentes de celles des hommes. Yé à Sarata Oyadoubi. Lui, il accomplit ce qu'il dit. Et na l'air y a dit à Roboa. Et du temps direct de Roboa, le fils de Salomon, les Camboan et Salem. Et cette prophétie-là s'était accomplie. Israël est quatre en deux. Israël était divisé en deux. Roboam, la maison de David. Roboam, qui était de la maison de David, a dit qu'il y a deux tribus. Il était resté avec deux tribus. Juda et Benjamin. La tribu de Juda et celle de Benjamin. Il y a aussi le royaume de Juda. Et c'est ces deux tribus-là qui formaient le royaume de Juda. Quand il y a abandonné les lieux d'adoration à Israël. Et c'est parmi, et c'est dans Juda qu'il y avait le lieu d'adoration. À Jérusalem. Dans Jérusalem. Le Linga nous dit qu'il a fait ce qui est Jérusalem à Benjamin. Comment est-ce qu'il montre qu'il a donné Jérusalem à Benjamin? Mais ce qu'il veut comprendre, les gars. Mais il faut que tu comprennes. Le Seigneur a fait ce qui ordre. Et le Seigneur avait donné un nom. Les lieux où le Seigneur est adoration. Les lieux où devait être l'adoration. Ce qui vous contient un pays. Si vous entrez dans le pays. Vous n'allez pas faire les choses comme vous le voulez. Il faut respecter l'ordre du Seigneur. Il faut respecter l'ordre du Seigneur. Si vous respectez l'ordre du Seigneur, si tu respectes l'ordre du Seigneur, et sache que le Seigneur sera de ton côté. Il y a beaucoup de remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer.
Na livre ya 1 roi chapitre 13. Dans le livre de 1 roi chapitre 13, Jéroboam a zalaki wana pour nous conquérir le peuple. Il était là pour chercher à conquérir le peuple. Il fallait aller étudier. Il fallait qu'il puisse étudier les stratégies. Comment emprisonner ce peuple sous ma domination? Il dit ceci. Dans 1 Roi 12 d'abord. D'abord dans 1 Roi chapitre 12. À partir du verset 25. À partir du verset 25. Yo noté 25 à 32. Note le verset 25 jusqu'au verset 32. Parce que Nicolaïsme ni Botany sa conquérir pour dominer. Parce que la doctrine de Nicolaïte, c'est la doctrine qui domine. Mais il va dominer non seulement la parole. Ils allaient pour constater pour la mise à l'innovation. Ils allaient par reprocher qui n'a matière 20. Et c'est ce que le Seigneur avait reproché dans Matthieu 20. Il y a bon des amas de reprocher toujours dans ta église. Et c'est ce que le Seigneur continue à reprocher dans les églises. Nathan, à partir du verset 25, je lis le verset 25. Il y a 1 roi 12. 1 roi chapitre 12. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Jéroboam bâtit Sichem. Jéroboam a tout à qui vous bâtit. Sur la montagne d'Éphraïm. Il y a un bon Éphraïm. Et il y demeura. Puis après la qui est vous bâtit. Puis il en sortit et bâtit Péniel. Puis anima qui peut à tout à qui vous bâtit Péniel. Jéroboam dit en son cœur. Jéroboam a l'ouïe dans mon témoignage. Il faut que tu m'en demandes où est le bâtit des arts iniquités. Il doit savoir que ses paroles.